Good morgen, allez, Yiden, et tu seras aujourd'hui le Lunishmat, Moura, Bishmoel, Benchlo, Mazal, Benchlo, Mobina, Min, Ben, Mazal, Rachel, Rachel, Bat, Sarah, ainsi que leur fouette, Sarah, Bat, Betty, Rivka, Fanus, Moura, Ben, Khermalia, Miram, Bat, Rasida, et d'autres, Yodin, Betor, Chachol, Israël, si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Misha, quand il y a 5 minutes éternelles, nous étudions la Sarah Trolin, Prélecrète, Mishnah, Dalet, Mishnah qui paraît longue, mais qui est très facile. Bessar, Behema, Tehora, Bachalef, Behema, Tehora, Assur, Levachel, Vassur, Bana, Bessar behema tehora, bachalef behema tmea. Ou encore, Bessar behema tmea, bachalef behema tehora, moutar levachel ou moutar behana. Et je préfère la couper en deux parce qu'après on va ouvrir un tout autre sujet. Tout d'abord, on nous présente à la Mishnah en nous disant que Bessar behema tehora, de la viande d'une race pure, permise à la consommation. Donc, les vaches, les moutons, les chèvres, qu'on leur fait cuire, bachalef behema tehora, que l'on fait cuire dans du lait, d'une behema tehora, d'un animal permis, propre à la consommation aussi, pur. Alors, assur les vachel, vassur behana, il y a en cela un interdit de le faire cuire et même d'en tirer profit. À la différence de bessar behema tehora, que si j'avais pris une espèce d'animal, cachère, propre à la consommation, mais j'ai pris sa viande que je vais cuire, bachalef behemat mea, je vais cuire dans du lait d'une espèce interdite à la consommation. Ou encore inversement, bessar behemat mea, j'ai pris de la viande d'un animal qui était impropre à la consommation, qui n'était pas cachère, j'ai pris du halouf, du chien, du cheval, que je vais cuire, bachalef behemat teora, dans du lait d'un animal qui est pur à la consommation, et bien dans ce cas-là, moutar les vachel ou moutar bernard, tu as le droit même de faire cuire et même d'en tirer profit. Vous avez vu, le principe est très très simple. On vient maintenant, tout d'abord, on a appris que l'interdit de bassar bechalav, de mélange du lait et de viande, l'interdit, ça implique trois interdits. L'interdit de manger, l'interdit même de tirer profit, ou même l'interdit aussi de faire cuire, comme c'est explicite dans le pasouk. Tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend dans le mot chevreau? On entend une espèce pure. Qu'est-ce qu'on entend dans le lait de sa mère? On va apprendre de là que c'est uniquement du lait d'une espèce cachère et en plus de ça, d'une espèce qui est apte à donner du lait. Comme ce qu'on va expliquer ensuite dans la suite de la Mishnah quand on va parler des volailles. D'accord? Mais pour le moment, donc, la Torah l'a répété à trois reprises. Ça t'interdit de tu ne feras pas cuire, pour nous déduire de là qu'il y a même un interdit, non seulement de faire cuire, mais aussi, bien sûr, de ne pas consommer, et aussi de ne pas tirer profit. Si on a un mélange de lait et de viande qui s'est fait, on ne peut rien faire avec ça, il faut le jeter à la poubelle. On n'a pas le droit d'en tirer profit, on n'a pas le droit d'aller le donner à son voisin goy. D'accord? L'interdit même de faire cuire, vous savez que ça peut être, des fois, ça peut arriver. C'est des situations qui sont rapportées dans les poskim, quoi. Il y a un goy qui est en train de faire cuire sa casserole, et puis moi, je m'occupe de touiller son plat. Je peux transgresser parfois, si je vais augmenter la vitesse de cuisson, je peux transgresser un interdit par cela de l'otevachel gedim achalavimo. C'est des choses qui peuvent exister encore. Si le gars, il a prévu sa casserole, et puis je vais prendre sa casserole, il y a dedans du lait, d'aller manger, et puis bon, c'est moi qui vais le mettre sur le feu, c'est sûr que je vais transgresser l'interdit de l'otevachel gedim achalavimo, de ne pas faire cuire, d'accord? Bon, ça c'est pour la première partie de la Mishnah, où on a présenté l'interdit de ne pas faire cuire, l'interdit de tirer profit, et on t'a précisé, quand je t'ai dit le chevreau, j'inclus en fait toutes les espèces permises à la consommation. Quand je t'ai dit le lait de sa mère, j'inclus aussi du lait d'espèces permises à la consommation. De ce fait, si je fais cuire de la viande dans du lait de chamel, par exemple, ou du lait de cochon, eh bien, je ne transgresserai pas de l'interdit de faire cuire du lait de la viande. Je pourrais même en tirer profit. Je dois tirer profit des animaux qui sont des aliments qui sont interdits à la consommation. Tant qu'il n'y a pas d'interdit explicite, de ne pas en tirer profit, comme c'est le cas avec le bassin de frère. Inversement aussi, j'aurais le droit de faire cuire de la viande de bœuf dans du lait de cochon. Et inversement, j'aurais le droit aussi de faire cuire de la viande de cochon dans du lait de vache. Aussi, on ne transgresse pas l'interdit et même en tirer profit. On n'a juste pas le droit de manger, bien évidemment, pas à cause de l'interdit de bassar bechalav, mais à cause de l'interdit de ne pas manger ces espèces qui sont interdites. D'accord? Fin de la première partie de la Mishnah. Deuxième partie de la Mishnah maintenant, c'est simple, on va se mettre à déduire est-ce que l'interdit est en vigueur aussi
pour les volailles, qu'on a déjà évoqué que non, et aussi pour les animaux sauvages. On avait déjà appris qu'il y a trois espèces. Bassar behema tehora, dans les. Il y a chaya behema. On avait appris dans le pari de Kisoyanam qu'il y a les behemoth et les chayot, les animaux domesticables et les animaux sauvages. D'accord? Comme par exemple le cerf, la gazelle, il y en a plusieurs espèces qui sont permises. Ils ont les sabots fendus, ils ruminent, mais ils ont un statut un peu différent certaines choses. En l'occurrence, le devoir de Kisui Adam qu'on avait appris dans le périple précédent. Et à présent, on va voir une nouvelle chose selon Rabbi Akiva. Rabbi Akiva Omer, Chaya va'of enam min haTorah, shenemar lo tevashel gedi b'chalevimo, shalosh pe'amim, prat la'chaya ve'la'of ve'la'behemat me'ah. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva nous enseigne. Sache que Chaya va'of, Chaya, c'est des animaux sauvages, va'of, et les volailles, enam min haTorah, ils ne sont pas interdits par la Torah de le faire cuire dans du lait. Pour quelle raison? Chez Nehemar, comme nous dit le verset, Lotevachel Gedi Bachalevimo. La Torah a insisté en exprimant cet interdit, en prenant l'exemple d'un chevreau. Tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Shalosh Pamim, la Torah l'a répété trois fois pour te déduire. Prat la Chaya Vela Of Vela Behemat Mea. Pour te déduire, un, quand je t'ai dit le chevreau dans le lait de sa mère pour t'exclure, à l'exception de Chaya, l'animal sauvage. D'accord? Et la off aussi, le deuxième. La off, c'est pour la volaille. Mais la behemat mea, c'est pour les animaux domestiqués mais impurs. Comme par exemple l'âne, le cochon, d'accord, le cheval. C'est des animaux domesticables mais impurs. Et on ne transgresse pas l'interdit de faire cuire le lait avec eux. Donc là, on a remarqué que Rabbi Akiva, il exclut donc. À part, bien sûr, ce qu'on avait parlé dans le début de la Mishnah, les espèces impropres à la consommation, mais la même est aussi exclue les volailles, et aussi exclue les chayot, les animaux sauvages. Et sans cela, qu'il y a une discussion. Rabbi Yossi Aglili Omer, Rabbi Yossi Aglili enseigne, Ne'emar lotochlu kol nevela. Le verset enseigne, c'est dans le même verset, dans la parasha de Dvarim Yudalet, et dans le même verset, lotochlu kol nevela, lotevashel gedi bachalevimo. Tu ne mangeras pas aucun animal cadavre d'animal qui est mort sans avoir eu la shrita, et tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère. C'est le même verset, ça va ensemble. Ne'emar lo tochlu kol nevela, vous ne consommerez pas de cadavres d'animaux, mais ne'emar lo tevashel gedi bachalevimo, vous ne ferez pas cuire, dans le même verset, et c'est dit aussi, vous ne ferez pas cuire de chevreau dans le lait de sa mère. Pourquoi tu les as juxtaposés? Alors, et sha'asur mishum nevela, Assur Mishum, Assur Levachel Bechalav. Le passage qui est venu t'apprendre que sache que les espèces d'animaux sur lesquels il y aura un interdit de Nevela, un interdit spécifique de ne pas manger lorsqu'ils sont bénis, Vlatam, vous ne les mangerez pas quand la Torah nous a dit, vous ne les mangerez pas quand ils sont des Nevela, quand ils ont été des cadavres, donc en l'occurrence les espèces permises, eh bien toutes ces espèces permises sont concernées par l'interdit de ne pas faire cuire le lait et la viande. Attention, ça implique que pour le moment on a inclus trois choses. Bien sûr, les animaux domesticables, les animaux sauvages, mais même aussi les volailles, parce que les volailles aussi, il y a un interdit de consommer nevela d'off, nivlat off, on en parle fréquemment dans la Torah, dans le Mishnayot. D'accord? Donc, on a un problème. La Rabbi aussi est un peu trop forcé sur la dose. Il est venu pour interdire, à la différence de Rabbi Akiva qui a permis les volailles et les animaux sauvages, qui a dit qu'il n'y a pas d'interdit de la Torah, lui Rabbi aussi, pour le moment, il est venu, il a dit non, si c'était juxtaposé, eh bien, c'est pour déduire, apparemment, c'est pour déduire que tous les animaux concernés, toutes les espèces concernées par l'interdit de ne pas manger les cadavres, pas abattus par le shrita, eh bien, ils sont concernés par l'interdit de faire cuire, de ne pas les faire cuire avec du lait. Mais attention, il revient à Rabbi aussi, il retire le tir, il recadre le tir en nous disant « Of sha'asur mishum nevela yacholi asur levashel bechalav » Si moi, je dois partir maintenant avec mon limoud, ma manière de déduire du verset, alors faudrait-il déduire dans ce cas-là que off une volaille, chasson, mishum, nevela, qui a vadaï, c'est sûr qu'il y a un interdit de ne pas manger de nevela, de cadavre, d'off, de poule de volaille. Yachol, yachasur, le bachel, bechalav, peut-être que je devrais dans ce cas-là déduire qu'il y aura un interdit de manger de la volaille avec du lait. Talamdulomar, bachalev, imo. C'est pour ça que la Torah a insisté en me disant « Vous ne ferez pas cuire, bachalev imo dans le lait de sa mère. » Pour te déduire, « Yatsa of shen lo chalev em. »
pour t'exclure le poulet, la volaille, qui n'a pas de lait de sa mère. C'est-à-dire, selon Rabbi Yossi Aglili, c'est simple, on commence le verset en nous disant « L'otochlou kol nevela, vous ne mangerez pas tous les cadavres, donc inclure dedans les animaux sauvages, les animaux domestiqués, les volailles. » Selon le passou qui continue en disant « Vous ne ferez pas cuire dans le lait de sa mère, pour me déduire. » Attention, juste celui qui a une mère qui l'allait, c'est-à-dire on ne parle que des espèces de mammifères, mais on n'aura plus de différence avec les volailles, avec les animaux sauvages, les animaux domesticables. Il y aura un interdit de la Torah. Et ça va dans ce cas-là dans tous les sens. Le Bartano ensuite nous précise ici qu'il y a une double marloquette. Une fois Rabbi Akiva, il est plus permissif, quelque part, mais d'un autre côté, il est aussi plus restrictif. Ça se passe comme ça. Il y a deux choses sur lesquelles ils sont en discussion, en fait. Selon Rabbi Akiva, il n'y a aucun interdit de la Torah à manger de la viande d'animaux sauvages ou de volailles avec du lait. Mais il y aura un interdit de Rabbanan, d'ordre rabbinique, dans les deux cas. Qu'ils ne sont pas minatora, il a dit Rabbi Akiva, ils ne sont pas minatora, mais ils sont quand même des Rabbanan. D'accord ? Donc je n'ai pas le droit de manger de la volaille avec du lait, selon Rabbi Akiva. Mais si j'ai mangé la volaille avec le lait, ou j'ai mangé les animaux sauvages avec le lait, j'ai trouvé ça un interdit que des Rabbanan, pas minatora. Selon Rabbi Yossi Aglili, là il les a dissociés. Il a fait que les animaux sauvages avec le lait, c'est interdit par la Torah. Mais il n'y a aucun interdit, même Midera Banane, selon Rabbi Yossi Aglili, de prendre de la viande de volaille avec du lait. Et l'Agma raconte en fait, Béhemet, que Béatré de Rabbi Yossi, dans le lieu où Rabbi Yossi il habitait, donc c'était lui le rave du quartier, et bien là-bas les gens ils mangeaient sans problème les volailles avec du fromage, ils faisaient des hot dogs de saucisse avec de la volaille. D'accord ? Ça c'est l'avis de Rabbi Yossi. C'est que selon Rabbi Yossi, bien sûr, la halakha n'est pas comme Rabbi Yossi Aglili, mais elle est plutôt comme Rabbi Akiva, d'interdire dans tous les cas la viande de volaille, même Midera Banane, d'ordre rabbinique. Sur ça, c'est comme Rabbi Akiva. Sur la partie, par contre, sur la deuxième partie, que les animaux sauvages qui sont permis de la part de la Torah, on ne tient pas ça comme ça, on tient ce que ça retient, nous, pour la halakha, que c'est interdit même par la Torah. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Hatzlacha Kol Tov. Salam.